sur les missiles qui arrivent, Jack. Cette victoire est synonyme d'espoir. L'heure est grave, mais quand j'étais à la tête d'Abriville, j'ai vécu ce genre de situation. Garde espoir. Même la plus fragile des fleurs est à l'abri entre les rochers. Quoi? Vous avez vraiment été à la tête d'Abriville? Je suis monté sur le trône pendant les guerres contre les Metalheads. Le baron Praxis m'a trahi et m'a banni dans les terres pelées. La suite, tu connais. Bref, voici la troisième et dernière de tes amulettes. T'es l'un des nôtres maintenant. Cette amulette est une balise. Si t'as besoin de nous, utilise-la et nous viendrons. Et je t'offre, en guise de bienvenue, cette armure des précurseurs qui aurait été portée par Mar en personne. Je la gardais pour mon propre fils, mais je pense qu'elle te sera utile en ces temps difficiles. Merci, mais je n'ai rien à vous offrir.
Tu nous as offert l'espoir, Jack. C'est un magnifique cadeau. Bienvenue parmi nous. Nous avons un problème. Les rapports indiquent qu'Errol a été alerté et qu'il a dressé les boucliers du vaisseau noir. Même si nous arrivons à activer le système de défense planétaire, rien ne dit que ça fonctionnera. J'ai l'impression que l'astroscope de l'abri forêt ne sert pas qu'à observer les étoiles. Vous devez être prudent. Des créatures noires ont envahi la forêt. L'astroscope ne va pas être facile à atteindre. J'ai perdu cette guerre il y a longtemps.
Magnifique, Jack. Je savais que cette machine était spéciale. Ah ! Sortez de ma tête ! Jack ! Jack ! On est en train de te perdre ! Ça me connecte au système du vaisseau des créateurs noirs. Il m'amène jusqu'à eux. Jack ! Jack ! Je suis connecté au vaisseau des créateurs noirs. Je peux contrôler certaines machines.
Dexter ? Quoi ? T'as vu quoi ? Fais voir ! Allô, la ligne, ici la Terre, je peux monter ? Allez ! Je déteste être petit ! Un moment, j'ai cru que... on aurait dit... Non, c'est pas possible. J'en ai assez de cette guerre. Qui sait ce qu'Erol mijote encore avec ce vaisseau noir? Il faut qu'on l'élimine. Et je suppose que tu as une idée derrière la tête? On a un plan, mais c'est risqué. Ah, tu m'étonnes, c'est jamais facile, non? Et je parie qu'on est les heureux gagnants du concours, hein? Non, c'est vraiment dangereux. J'ai pensé à Thorn et Jinx. Quoi? On n'est pas assez bien pour toi, c'est ça, hein? Tu crois qu'on n'y arrivera pas? Dax! Je te rappelle que Daxter, de Jack et Daxter, a déjà affronté tous les trucs les plus horribles de la planète au cours de trois, je dis bien, trois aventures! Daxter! C'est une honte, Jack! C'est nous, les héros! C'est nous qui sommes sur les boîtes de céréales, bon sang! Et je vais bientôt sortir ma propre collection de baskets! J'ai un contrat! Vous êtes sur le coup. Couvrez Thorn et Jinx à bord d'un véhicule plein d'explosifs. Escortez-les à la section des Metalheads et ensemble, faites sauter le nid. Ok. Bah, fallait le dire tout de suite. Détruis-les!
Fusée, ouvre le feu! Attention! Joli tir!
Ouais, ça leur apprendra. Démolis-les, petit gars. Ok, c'est l'heure de la vengeance. T'es bien accroché, Dax? Et tu veux dire aller dans cet endroit? Je vais peut-être rester là pour protéger Sig. Thank you.
Mon triomphe. J'aimerais bien rester bavardé, mais j'ai rendez-vous avec les êtres les plus puissants de l'univers. Des cuits, boîte de conserve! Ne m'oblige pas à m'approcher et à t'envoyer Jack! C'est trop tard. J'ai réveillé la technologie des créateurs noirs. À mon tour, le pouvoir suprême des précurseurs sera à moi. À un de ces quatre, les gars. Regarde-moi ça, c'est cool. C'est génial, ça réagit à ce truc d'écho noir. Ah! Ça va sauter! Tirons-nous de là! Nous avons de très gros ennuis. Onin dit que des forces mystérieuses sont en marche. Elle dit que quelque chose d'une puissance jamais égalée auparavant est venu perturber le destin. Quelque chose se réveille au tréfonds des catacombes. Laissez-moi deviner. Vous, les beaux parleurs, vous voulez qu'on y aille, je me gourre?
Le meilleur accès aux catacombes se situe dans la section des Metalheads. Des fois, je vous déteste vraiment, les mecs. Onine voit votre destin devenir de plus en plus sombre. Elle dit que ça va être extrêmement dangereux cette fois. Onine dit que Baker va vous accompagner à travers les catacombes et... Oh, quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Tu seras les yeux d'Onine et la sagesse de Jack. Tu dois y aller. Oh, bon, d'accord. Mais je m'éclipse dès que la situation se corse. Vous deux, vous filez à l'entrée des catacombes et commencez le boulot. Oh, je vous rejoins là-bas dès que la voie est libre. Les seuls types assez balèzes et déjantés pour se battre contre ces bidules, c'est les renégats! T'es un génie! Ouais, Baste Babiole est au moins aussi déglingué que les vieilleries que ma grand-tante récupère dans les brocantes! Thank you.
Vous étiez où? J'ai eu le temps de chanter le répertoire de Francis Labrel. Onin dit que nous devons nous rendre dans les ruines du palais, mais je crois que... Oh, oh. Jack, je voulais te dire, avant que tout soit fini, être sur ton épaule, même si c'est un peu osseux et pas très confortable. Enfin, t'es un type génial. Toi aussi, Dax. Ces aventures, c'était super. Quelqu'un a demandé des renforts? Tu es très loin du désert. Je croyais qu'un bon guerrier n'attaquait jamais son ennemi de front. Il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Et nous savons tous les deux que je suis loin d'en être un. Finissons-en. Dépêche-toi, Jack. Des précurseurs noirs.
plus. Bien piloté, fiston. C'était un beau combat. Et un beau jour pour mourir. Je suis très fier d'avoir lutté à tes côtés. Jusqu'au bout. Il y a encore des héros dans ce monde. On assure tous les deux. Ne bougez pas, je veux que tu me promettes une chose. Promets-moi que tu vas retrouver mon fils, Mar. Tu le reconnaîtras grâce à ça. Il porte une amulette comme celle-là. Un symbole de notre appartenance à la grande maison de Mar. Sauve les gens, Jack. Ils croient en toi. Père. Oui, c'était ton père. Je t'ai enlevé Adamus pour mettre tes pouvoirs au service de mes expériences. Puis, je t'ai laissé dans les souterrains. Tu as l'air fâché. Je te l'ai dit trop tard. Tu étais le fils du grand guerrier Adamus. Oh, et il n'en savait rien. Comme c'est charmant. Merci d'avoir ouvert la porte au précurseur. T'inquiète pas, je vais revenir pour te sortir de la misère. Suis-le, Jack! Tu veux descendre avec moi? Pas d'embrouille cette fois, hein? Ouais, mais que ça devienne pas une habitude. C'est juste que je ne veux pas que quelqu'un blesse mon meilleur ami et fasse le malin. Attrapons-le!